Bonjour et bienvenue dans la formation Finding Job is a Job. Et comme son nom l'indique, chercher un travail doit être considéré comme un travail à plein temps. Dans ce programme de formation, vous allez découvrir la méthode EIF Maroc allant de la connaissance de soi à l'entretien d'embauche en passant par le CV, la lettre de motivation et les techniques de recherche d'emploi. Notre mission à travers ce programme de formation, c'est de transformer des chercheurs d'emploi en des trouveurs d'emploi pour qu'ils puissent trouver un travail, maintenir le travail et évoluer au sein de l'entreprise respective dans laquelle ils vont travailler. Mais avant de plonger dans cette aventure d'apprentissage et de transformation, un point essentiel que j'ai le devoir de vous signaler et que je vous invite à intégrer si vous voulez que cette formation vous aide à avoir des résultats concrets. C'est une idée qui peut vous surprendre, mais essayez de la prendre comme étant une bonne nouvelle. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Chercher un travail n'est pas une activité de loisir, mais bien un travail à plein temps. Mais faut-il encore le décider? C'est un contrat symbolique à signer entre vous et vous-même. Vous êtes le recruteur et le recruté. Votre intitulé de poste est chercheur d'emploi. Vous avez des tâches, un planning journalier et des objectifs à atteindre. Car ce n'est pas en déposant un CV par semaine ou de passer un entretien d'embauche par mois que vous allez décrocher le job que vous méritez. À chaque fois que j'explique cette idée, certains trouvent une difficulté à concevoir sa concrétisation. Est-ce que je vais déposer des CV, passer des entretiens à longueur de journée? Comment est-ce possible? La recherche d'emploi, mes amis, ne se limite pas à ces deux actions-là. Et c'est d'ailleurs tout le point de switch que je vous invite à faire dans votre mindset. Vous avez énormément de tâches à faire en tant que chercheur d'emploi qui peuvent remplir votre agenda. Par exemple, lire un article sur votre métier ou les nouveautés de votre secteur d'activité. Ça peut être aussi prendre un café avec l'ami d'un ami qui a un petit peu plus d'expérience que vous ou qui travaille dans le domaine du recrutement. Comme ça peut être la participation dans une conférence, une formation ou un séminaire qui traite un sujet qui est en relation avec l'avenir de votre métier, votre secteur d'activité ou le marché marocain d'une façon générale. La liste est vraiment longue. L'idée ici, c'est de compresser le temps et les expériences, pouvoir faire plus en moins de temps pour accélérer le processus et trouver un travail beaucoup plus rapidement que prévu. Maintenant que nous sommes d'accord sur le mindset à avoir pour réussir cette formation et votre carrière professionnelle, je vous invite à prendre de quoi noter. C'est une formation interactive et pratique. Je vais vous poser des questions, vous donner des exercices à faire, vous challenger sur des actions. Car nous sommes convaincus que ce qui va faire la différence dans votre vie professionnelle, c'est pas ce que vous savez, mais bien ce que vous allez en faire. Et c'est parti, nous allons entamer le premier chapitre sur la connaissance de soi avec une question. Selon vous, quel est l'enjeu principal de la recherche d'emploi? Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Bien évidemment, les enjeux peuvent être multiples. Mais l'enjeu le plus important, c'est de répondre aux exigences de l'entreprise. L'entreprise ne cherche pas un diplôme, mais bien un profil avec des caractéristiques bien définies. Et votre rôle à vous, c'est de les convaincre que vous êtes le profil qu'ils cherchent en démontrant votre professionnalisme, en mettant en avant vos compétences et aptitudes et en les séduisant avec vos motivations. Vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas d'une action séparée, mais bien plus d'une démarche. Et la première étape de cette démarche est la connaissance de soi. On ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne connaît pas ou peu. Donc, si vous ne vous connaissez pas, vous allez mal vous vendre. Et si vous vous connaissez à moitié, vous allez vous vendre à moitié. Vous êtes un mélange de connaissances, compétences, aptitudes, talents, valeurs, qualités, ambitions, objectifs. Donc, votre rôle à vous dans cette étape-là, c'est de remettre les choses en surface pour mieux vous vendre. Une des questions auxquelles vous devez vous attendre lors d'un entretien d'embauche, c'est « Est-ce que vous avez un projet professionnel ?» Avez-vous préparé une réponse pour ça? J'anime cette formation depuis une dizaine d'années. Et à chaque fois que je pose la question sur le projet professionnel, je ne vous cache pas que les réponses laissent à désirer.
C'est soit des réponses superficielles ou génériques et parfois des silences radio. Imaginez que vous êtes un recruteur et que vous avez face à vous un candidat qui n'a pas de projet professionnel ou qui a un projet professionnel mais qui n'est pas concis et cohérent. Quelle serait votre réaction? Le projet professionnel, on peut le définir comme étant un document personnalisé qui contient les ambitions professionnelles, les objectifs de carrière et les étapes envisagées pour atteindre ces objectifs. Et il est composé de 4 étapes essentielles. Un bilan de compétences, un benchmark par rapport à vos préférences professionnelles, vos objectifs à court, à moyen et à long terme et un plan d'action pour concrétiser ces objectifs. Et vous devez aussi vous assurer que votre projet professionnel est concis, concret, réaliste et cohérent entre ce que vous avez en termes de bilan de compétences et ce que vous voulez réaliser en termes d'objectifs. Maintenant que nous avons explicité ce que c'est qu'un projet professionnel et son importance pour un chercheur d'emploi, passons à la pratique. L'exercice que je vous invite à faire, c'est de réfléchir puis définir pour ceux qui ont déjà réfléchi 3 objectifs de carrière. Le premier à court terme, d'ici 1 an par exemple, le deuxième à moyen terme d'ici 3 ans et le troisième à long terme d'ici 5 ans. Une fois terminé, vous êtes amené à smartifier ces objectifs. Car un objectif qui n'est pas smart n'est pas un objectif. Ça peut être une ambition, un fantasme, un désir, un rêve. Ça peut être tout sauf un objectif. Smart pour ceux qui ne connaissent pas. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour adapté, adaptable et atteignable, R pour réaliste et réalisable, et T pour temporel, fixé dans le temps. Il se peut qu'en faisant l'exercice, vous allez trouver plus que 3 objectifs. Et c'est très bien. Avoir beaucoup d'objectifs à filtrer, c'est beaucoup plus intéressant que de n'avoir aucun objectif en tête. Parce que l'idée ici, c'est de sortir du syndrome de la page blanche et commencer à tracer des objectifs qu'on peut changer par la suite, soit augmenter la difficulté, diminuer la difficulté ou bien changer carrément l'objectif. Et la troisième et dernière étape de cet exercice est de dresser une liste de vos connaissances, compétences, expériences et ressources actuelles et celles que vous devez avoir ou développer pour réaliser vos objectifs. Au cas où vous n'arrivez pas à faire la différence entre une connaissance et une compétence, la connaissance est purement théorique, alors que la compétence, c'est quelque chose que vous savez faire d'une façon pratique. Une autre petite nuance à faire entre compétence et talent, la compétence c'est quelque chose que vous développez avec le temps, l'exercice et l'effort, alors que le talent c'est quelque chose que vous avez naturellement depuis votre enfance. Encore une fois, mettez pause à la vidéo, prenez votre temps pour faire l'exercice et on se voit après. Vous avez fait l'exercice, bravo, bravo. J'espère que la vision est encore plus claire par rapport à ce que vous êtes et ce que vous voulez réaliser. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous ont pensé à changer les objectifs qu'ils ont définis auparavant. Est-ce que vous allez les maintenir ou vous avez changé d'avis? Le plus important, c'est être dans ce va-et-vient entre la réflexion et la réalisation. Et dites-vous qu'un objectif n'est pas définitif. Vous pouvez le changer selon vos prises de conscience qui évoluent. Donc vos objectifs peuvent évoluer dans tous les sens. Notre travail d'introspection va continuer et cette fois nous allons parler d'énergie. Quand on parle d'énergie, on parle d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle et d'énergie physique. L'objectif ici est d'apprendre à entretenir votre batterie d'énergie vu que vous allez en avoir besoin dans cette période de recherche, d'emploi, mais aussi dans toute votre vie personnelle et professionnelle. Je ne vous cache pas que la période de recherche d'emploi est difficile à gérer, la conjoncture nationale et internationale est délicate et le marché marocain est très concurrentiel. Donc, votre batterie d'énergie, c'est un gage de performance pour passer outre vos challenges, vos difficultés et vos échecs. Mais avant d'apprendre à entretenir notre batterie d'énergie, commençons par définir quelles sont les sources d'énergie et les fuites d'énergie. Et pour ce faire, il n'y a pas mieux qu'un exercice. Tracez le tableau que vous voyez à l'écran, donc 3 colonnes. Une colonne pour l'énergie mentale,
La deuxième pour l'énergie émotionnelle et la troisième pour l'énergie physique. Et dans chaque colonne, vous allez mettre deux sous-compartiments. La première, vous allez la dédier à vos sources d'énergie, que ce soit activité, personne, endroit ou chose qui vous donne de l'énergie. Et le deuxième sous-compartiment sera dédié à vos fuites d'énergie. Et donc, vos activités, les personnes, les endroits et les choses qui vous pompent de l'énergie. Donc, mettez encore une fois pause à la vidéo, faites l'exercice et on se voit juste après. Vous avez fait l'exercice et la question qui s'impose, comment peut-on exploiter les résultats de ce tableau? Et la réponse la plus basique, c'est en optimisant et maximisant les activités qui nous donnent de l'énergie et en neutralisant les activités, les endroits, les personnes, les choses qui nous pompent de l'énergie. Et si on veut décortiquer davantage le tableau, au niveau mental, apprendre à renforcer notre énergie mentale pour créer de la résistance face aux situations difficiles et aussi planifier des moments de récupération quand il le faut. Par rapport à notre énergie émotionnelle, l'objectif est d'entraîner nos émotions pour pouvoir développer une certaine intelligence émotionnelle à travers des rituels qui vont nous permettre de transformer des situations difficiles en des sources d'énergie au lieu de les transformer en fuites d'énergie. Et enfin, pour notre énergie physique, mettre en place un système de vie sain qui va protéger notre corps tout en travaillant sur notre sommeil, alimentation et activité physique. Et en parlant des émotions et leur importance dans la gestion des situations difficiles, comme par exemple l'entretien d'embauche, le point suivant qu'on va aborder sera sur les émotions. Avant d'apprendre comment gérer nos émotions et accéder à un niveau élevé d'intelligence émotionnelle, faisons d'abord connaissance avec les émotions de base, qui sont au nombre de 6. La joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise et la peur. Quand on est face à une situation émotionnelle difficile, généralement, il est composé de plusieurs émotions. Et le challenge ici, c'est d'écouter la situation pour décortiquer les émotions qui composent la situation. Écouter chaque émotion, elle a un message de changement positif à nous transmettre. Réaction primitive, on va s'attacher à nos émotions, vivre nos émotions, ils vont nous épuiser notre énergie et puis nous allons rien apprendre de cette situation-là et on va la reproduire d'une façon ou d'une autre parce qu'on a laissé le message partir et on a maintenu, on s'est accroché à l'émotion. Alors que ce qu'il fallait faire à la base, c'est l'inverse. Laisser partir l'émotion en la remerciant d'avoir apporté ce message positif et puis s'attacher au message et le transformer en apprentissage pour ne plus jamais revivre la même situation et donc apprendre de nos erreurs. Prenons l'exemple de la peur. Quand on a peur de passer un entretien, le message généralement derrière la peur, c'est soit qu'on n'est pas encore prêt à affronter la situation ou bien qu'on n'a pas confiance en nos capacités. Donc le challenge ici, c'est soit de se préparer davantage, soit de travailler notre confiance en nous, ou bien les deux à la fois pour maximiser nos chances de réussir l'action. Je ne parle pas ici de la peur justifiée, ça veut dire la peur de mettre sa main sur le feu par exemple. Je parle des peurs qui ne sont pas justifiées, qui sont juste un blocage psychologique et donc notre rôle ici, c'est d'écouter l'émotion, de tirer le message, de passer à l'action pour éviter de tomber dans l'erreur. Et pour finir cette première vidéo, je vais vous lancer un challenge de 7 jours où je vais vous demander de faire chaque jour une chose qui vous fait peur, une toute petite chose, une toute petite peur, vous allez essayer de la dépasser. Et dites-moi, peut-être après, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que vous avez ressenti en faisant ce challenge? Est-ce que ça a été facile ou difficile pour vous? D'ici là, ayez confiance en vous et passez à l'action.